On le aime, on le aime, tu fatigues. Ça, c'est la mienne. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans ce nouveau weekly vlog qui va clairement, je vais pas vous mentir, être un vlog axé particulièrement sur Tomorrowland puisqu'on est arrivé hier soir. On est arrivé hier soir. Du coup aujourd'hui on est lundi, c'est la première journée officielle de cette semaine. On repart samedi, donc on passe vraiment toute la semaine ici et c'est super cool parce que du coup là on a un chalet sur les pistes concrètement. On est bien sûr à l'Alpe d'Huez pour ceux qui savent pas où se produit Tomorrowland Winter. On y était allé moi personnellement. La première fois que je suis venue, c'était en 2019 pour la toute première édition de Tomorrowland Winter. L'année dernière, j'y suis pas allée. Entre temps, il y a eu le Covid. Et là, du coup, je suis de retour et je suis super contente. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfilé une combi, une tenue de ski, parce que je vais essayer malgré tout de skier. Vous savez, vous avez déjà suivi, je pense, les derniers vlogs. Vous savez que mes skills en ski sont loin d'être exceptionnels. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'aller au ski étant plus jeune. Et donc, du coup, je n'ai vraiment jamais appris à skier, concrètement. Donc, du coup, la première fois que j'ai vraiment skié, c'était pour le nouvel an il y a 2 ans et on se souvient comment ça s'est passé, mais ça avait fini sur une plutôt bonne note parce que j'avais quand même réussi à descendre des pistes vertes. Donc on va tenter aujourd'hui. De toute façon je vais tenter toute la matinée. Si je vois que ça passe pas, je les laisse aller faire leur truc de leur côté et moi je rentre ici. Mais je vais quand même essayer de trouver un prof juste pour prendre genre 5-6 heures de cours cette semaine parce que je sais qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend, donc voilà. Ici du coup on est dans un chalet et on est vraiment, c'est un chalet colocation pendant... Pendant une semaine du coup, je vais vous montrer de toute façon, je vais vous montrer à quoi ressemble le petit chalet. Mais surtout déjà je vais vous montrer la vue. Donc ça c'est littéralement la vue de la chambre, voilà, on peut pas faire plus vue montagne, regardez ça. Voilà, on a vu sur les pistes, les œufs passent devant nous. C'est très drôle, mais c'est vraiment trop cool. Et aujourd'hui c'est je crois la meilleure journée de la semaine pour aller skier. Et ça tombe bien parce que ben, nous aujourd'hui on est off, donc... c'est trop beau. Bon là du coup je vous montre vite fait, mais c'est notre chambre avec Henri déjà en bordel parce que bah, on a pris des grosses valises de ski, donc t'as compris que c'était vite le bordel. Pour faire un petit room tour, ici vous avez des placards, là les toilettes etc. Là il y a une première chambre avec une salle de bain ici. Là il y a une salle de bain aussi qui est super cool. Ça du coup c'est notre salle de bain avec Henri, donc elle est cool, il y a une baignoire etc. Elle est vraiment cool. La chambre et le salon. Voilà, c'est déjà le bordel. Ah oui, déjà bien le bordel, mais écoutez, regardez ces blocs. Voilà, ils sont vraiment au taquet là. Au taquet. C'est parti. Such a look. Alors là, vraiment, au top. Un look parfait. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit en vie, les gars. Peut-être que je vais mourir sur les pistes. Je comprends pas la logique de d'abord passer par les vœux. Mais non, mais je comprends pas la logique de... Tu dis, je veux aller sur des vertes. Elle te dit, ok, pour aller sur la verte, tu dois passer par la bleue. Mais what the fuck, genre. Faut pas te bloquer sur la couleur des pistes, tu vois. Faut pas me bloquer sur la couleur des pistes. Tu veux que je te rappelle ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai pris une bleue? Mais justement, en gros, sur la couleur de la main stage, avant, elle était là, ici, comme ça, tu vois. Ouais, mais oui. Et les gens, ils étaient à la... Je suis un peu stressée, quand même. Serait-ce donc ça le talent? Je crois. J'ai fait celle-là. Henri, je suis pas tombée. Hein. T'es pas tombée? Non. Hein. Et t'as pas stressé? Et j'ai pas trop stressé. Non, franchement. J'ai bien fait ça. Yeah. Oh l'OM, faut que tu accélères là. Allez, voilà.
T'as vu? T'as brisé ta première étoile. C'est le premier déjeuner de la journée à la Folie Douce. Devinez combien a coûté ce plat. Beaucoup trop d'argent. Après l'effort, le réconfort, on va. T'as besoin de ça, on va manger. Deuxième jour, c'est le deuxième jour et on y va que tous les deux. Non mais ça va bien se passer. C'est cours personnel. C'est un cours personnel ce matin. Non mais faut pas que je prenne trop la conf parce que je risque de regretter. Il y a pas un bruit quoi. C'est ouf. Il va me détester. Je suis désolée. Putain, je suis désolée. En fait, il vient de me sauver parce que je me suis pété la gueule dans la dernière descente de la bleue. Et il s'est mis en travers de la route parce que j'étais en train de glisser. Genre moi, j'avais terminé en bas. Et il a galéré à remettre ses skis. Du coup, je suis arrivée avant lui. On n'est pas assuré pour ça. Donc. Je te paye un café. Merci. Je te le paye. Ça fera 10 000 euros. Donc j'espère que t'es content quand même. Hein. Jour 3, 3 de tombe relève, mes cheveux font quoi là? Qu'est-ce qui se passe?
Ce matin, on n'a rien fait de toute la matinée. Enfin, si, j'ai un peu travaillé. Et là, on est regardé la vue qu'on a. Henri est en train de travailler. Mais nous, non, en fait. Nous, on travaille pas. Enfin, pas vraiment, quoi. Regardez cette vue de malade, comme c'est trop beau. On n'est pas si haut, en plus, hein. Star. What a star. Bon, allez, c'est la dernière piste de la journée. On va faire la Chez Roger. On est au taquet, au top. Et après, on va manger. Moi, j'ai la dalle. Hein. Genre, là, j'ai grave la dalle. Henri, t'as faim? J'ai ultra faim. Non, mais j'ai vraiment la dalle. Le ski, ça creuse. Ah, le mec, il découvre mes reels. Tu l'aimes bien? T'as vu? Je vois. Ah, toi non plus, tu l'as pas vu? Non, non. Ouais, les gars, vous êtes vraiment pas mes supporters préf. Hein. Je suis pas un fololo, moi. Ah là, t'es pas un fololo. Je suis choquée. Putain. Allez, fais voir. Regardez, ça tombe. Là, on a un petit barbecue qui a été organisé par les équipes internes de Tomorrowland pour les artistes et tout. C'est très cool. Regardez, vous allez voir ça. Normalement, vous pouvez pas voir ça à la vue. Ça sent déjà trop bon. Ah, c'est quoi, j'en prends quand même un troisième. Tu vas avoir mal au ventre. Regardez la scène vide, c'est ouf. Les gros champignons là. Et hop, les backstage. The legend says that when the ice melts, the music and melodies are released and can be heard.
spéciale puisque Henri va mixer sur la main stage de Tomorrowland. Donc vraiment la main stage, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grosse scène du festival. Je ne sais pas exactement combien il y a de personnes dans la salle, mais c'est de l'ordre de plusieurs milliers. Et donc du coup, en fait, il est déjà 14h et il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a rien fait. On n'a pas été skier, on n'a vraiment rien fait. Moi, j'ai bossé ce matin et Henri, pareil, parce que les jours, en gros, de main stage sont des jours stressants, des journées stressantes pour Henri. Surtout qu'en plus, là, il y a des choses qui arrivent et qui ne devraient pas arriver. Genre typiquement, là, on lui a demandé de retirer 2 minutes de son set, alors que c'était pas prévu à la base, juste parce qu'en fait, il y a un petit happening avant. Et donc du coup, en fait, c'est des choses qui paraissent anodines comme ça, genre 2 minutes sur un set de 1 heure, on se dit bah c'est rien du tout, sauf qu'en fait ça change toute la structure d'un set, ce qui fait que depuis ce matin on a un Henri méga stressé qui ne fait que bosser. Donc du coup bah on est tous contraints entre guillemets de rester avec lui, et c'est pas très grave, c'est juste parce qu'il faut le soutenir. Mais c'est vrai que là, on va bientôt bouger, 14h, donc je me suis rendu compte que j'avais quasiment pas pris ma caméra avec moi et que jusqu'à maintenant, tout le vlog avait été principalement avec l'iPhone. Faut savoir que c'est beaucoup plus simple que de se trimballer la caméra d'absolument partout. Mais je vais la prendre avec moi aujourd'hui, voir un petit peu ce que je peux vous montrer, ce que je peux filmer. Et voilà, écoutez, c'est une nouvelle journée qui commence, je me suis préparée quand même. J'ai fait un effort aujourd'hui, c'est pas été le cas ces derniers jours forcément. Allez, c'est parti. Regardez ce monsieur très appliqué depuis 9h ce matin. Ça va ? Non, ça va pas. Aujourd'hui, c'est le stress. C'est le gros stress aujourd'hui. Ça va bien se passer, monsieur. Excuse-moi, maybe please, thank you. Merci. Regardez-le se diriger. Ça, c'est la totalité de mon vlog. Ah, putain. Est-ce que vous avez déjà vu la main stage de Tomorrowland vide? Et ben maintenant, oui. Regardez comme c'est ouf. C'est pas incroyable. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Waouh. Par contre, le fait d'être ici, j'ai un peu déjà le stress de quand je serai de nouveau ici, c'est ça. Waouh. C'est insane. Oh putain. C'est ouf. Faut s'imaginer que ça sera rempli de personnes quoi. C'est incroyable. C'est aussi grand que mon salon en fait. Ouais, c'est la fête des scouts hein. Ça va, c'est la fête des scouts. Voilà. Waouh. Le stress. Ah, allez Louis, allez. Oh, c'est horrible comme surnom, Louis. Hey Louis, vas-y Loulou. Louison. Ah quelle bouée. Yes, Arnaud quoi. Tu fais quoi Marie? Je maquille l'artiste avant sa stage. Je sais pas si on te l'a dit, mais tu devrais faire des tutos. C'est vrai, j'ai jamais pensé. Ça pourrait être pas mal en vrai. Ouais. Mais il veut pas que je fasse ses sourcils. Non, j'aime pas les bras sans les sourcils. Merde, hein. Les petits collets de Tomorrowland, regarde derrière, il y a le... C'est mal lire. Mais... Oh. Oh. Je sais pas si on sait le voir en vidéo. Ah. Hein. C'est stylé, hein. Ah, enfin, ouais, je fais un dernier check pour être sûr que je m'en sais, justement. Je suis go. Là, j'en ai. C'est le moment, c'est l'instant. Let's go. C'est le moment, c'est l'instant.
Let's fucking go. C'est le bobo, c'est l'instant. Oui, let's go. Ah, merci, vous étiez pas assez motivé là, le sang. Il est l'or, monseigneur. Allez, le sang. Quoi? Oui. 3, 2, 1, let's go. Ouais. Très bien. Petit bouchon là. Ça sauve, hein. Ça, ça sauve une vie, ça. Enfin, ça sauve mon audition quand j'aurai 60 ans. Ou 70, 80. Bref. T'es loup. Vous devez savoir un truc, c'est que Henri, il oublie tout. Vous voyez avec quoi je dois dealer? J'ai acheté une maison avec quand même. Vas-y, devine quelle musique je fais. Vas-y. C'était quoi? Game of Thrones. Ah oh, wow. Alors là, non, c'était pas du tout reconnaissable. Vendredi, c'est le dernier jour ici complet à l'Alpe d'Huez. Du coup, c'est aussi le dernier jour officiellement du festival Tomorrowland Winter. Du coup, ce matin, je me suis préparée. On s'est levé un peu tard parce que hier, du coup, on a quand même fait la fête jusqu'à tard. Et du coup, là, avant de prendre ma douche et de me préparer, j'ai quand même décidé de commencer les valises parce que on a eu énormément de chance. En fait, on s'est fait gifter pas mal de vêtements, en fait, parce que Tomorrowland a fait une collection avec LS et du coup, ils nous ont offert tout simplement des vêtements. C'est vraiment gentil. Et donc, du coup, bah là, j'essayais un petit peu de voir dans les valises comment faire pour ranger parce que bah moi, j'avais vraiment déjà pas de place à la base, donc là je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai commencé ici les valises de Henri, moi j'ai commencé un petit peu les miennes et tout, mais ça semble un petit peu compromis, franchement je sais pas comment on va faire, mais je reteste, je sais que cette technique là elle fonctionne bien, la technique du roulage de t-shirt, c'est la meilleure technique quand vraiment vous avez besoin de gagner de la place dans une valise, et je vais essayer de mettre les trucs les plus encombrants demain pour rentrer, comme ça bah du coup il y aura suffisamment de place, je l'espère, je vais la bourrer comme il faut, voilà. Surtout, c'est surtout que j'ai pris mes moon boots. Bon, heureusement, je les ai mises quand même. Je les ai rentabilisées ici, mais c'est vraiment, franchement, les moon boots, c'est un peu la base. C'est vraiment la base. Bon, bref. Voilà. Je vais vous montrer aussi les produits que j'avais terminés ici. J'en ai terminé vraiment plein en fait. J'ai terminé donc du coup ma crème de nuit qui est la Antipone. On l'a toujours sur Lizen Clouds, il me semble, et elle est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Donc là, ça y est, le pot est finalement terminé. Regardez-moi ça. C'est propre. J'ai aussi terminé ce tonique là de Mademoiselle Saint-Germain, romarin du potager du roi, vraiment top. Je mettais matin et soir après avoir nettoyé mon visage, avant de mettre mon acide hyaluronique, vraiment top. J'en ai un autre à utiliser à la maison, mais vraiment trop trop bien, donc je vais le laisser ici. Et bien sûr, vous vous en doutez, j'ai terminé la crème Belif ce matin, ça y est, terminé également, pas pareil. Hein. Bonne crème, regardez, je l'ai vraiment raclée jusqu'au fond, donc là vraiment c'était la fin. C'est trop cool parce que cet après-midi, on va faire du chien de traîneau et j'en ai jamais fait de toute ma vie. Ça va être trop cool.
On vient à l'instant, enfin on est rentré il y a 1h30 chez nous de Tour Holland Winter. Je peux vous dire que la journée a été extrêmement longue, on s'est levé extrêmement tôt ce matin, à 6h pour être très précis, alors qu'on s'est couché à 3h du matin, donc on est juste éclaté. On a essayé de dormir un petit peu dans les transports, mais franchement ça a été un peu compliqué. Et là du coup, on est rentré et malheureusement pour nous, on a fait l'erreur cruciale. On a fait la grosse erreur de pas forcément ranger la maison avant de partir, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps entre la semaine de mon anniv et cette semaine où il a fallu qu'on parte un peu en catastrophe. Ça a été compliqué de ranger avant de partir, donc là du coup on est... on a le seum. Du coup là on est samedi et d'habitude je fais pas ça le samedi, je fais ça plutôt le dimanche, mais là je viens de passer... du temps sous la douche à me laver les cheveux, à vraiment tout refaire une routine et tout, parce que bah... Au ski, honnêtement, j'ai pas forcément fait ça, et là, je suis juste éclatée. J'ai des bleus sur les jambes partout, parce que hier, je suis tombée dans un circle pit sur Apache, bref. C'était vraiment extrêmement cool, cette semaine à Tomorrowland, ça nous a vraiment changé les idées, et ça nous a fait penser à autre chose qu'à la maison. Et autant vous dire que ces derniers temps, c'était super nécessaire de réussir à penser à autre chose, parce que ça a été un petit peu compliqué ces dernières semaines. Par rapport à la maison, je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine, parce que du coup là j'ai pas envie de me porter la poisse et de vous parler d'un truc alors qu'on va aller vérifier demain. Du coup là je vais passer la fin de la journée, les 17h30, à ranger la maison, essayer de voilà remettre un petit peu en ordre nos vies avant de réengager une nouvelle semaine la semaine prochaine, essayer de récupérer un petit peu parce que là on est crevé. Je voulais streamer, je voulais faire plein de trucs, mais en fait j'ai juste pas l'énergie là. Donc on va essayer déjà de se focaliser sur des petites tâches à la fois. Et là en l'occurrence c'est s'occuper de la maison, ranger à fond. Je pense que lundi j'irai faire des grosses courses, parce que là vraiment il n'y a plus rien dans le frigo. J'ai pas eu le temps de faire une commande à HelloFresh et tout. Bref, c'est vraiment des semaines comme ça où c'est chaud. On profite pour mettre un peu de crème sur les jambes parce que là je souffre. Je sais que ce vlog était totalement différent des précédents vlogs et que vous vous attendiez peut-être à voir la maison cette semaine. Bon, en l'occurrence c'est pas du tout le cas, mais ça fait du bien aussi de changer un petit peu de sujet et de vous amener un peu dans l'envers du décor de ce que c'est aussi qu'un festival de musique et vous montrer en fait aussi ouais tout ce qu'il y a derrière quoi. Moi de mon côté j'ai fait full excès pendant toute la semaine. C'est du grand n'importe quoi, donc je peux vous dire que là, j'ai hâte de retrouver un peu une routine, parce que c'est toujours pareil après une semaine, entre guillemets, où tu contrôles pas spécialement ce que tu manges, t'es un petit peu en roue libre comme ça, moi j'attendais qu'une seule chose, c'était de rentrer à la maison pour pouvoir recommencer à cuisiner et me retomber dans une routine. Là, je pense que c'est catastrophique cette semaine. Écoutez, c'est la vie, ça fait partie de la vie. J'ai un peu lâché prise hein, par rapport à ça, comme vous l'aurez compris, parce que sinon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La semaine prochaine, on se retrouve pour un weekly vlog normal avec des updates concernant la maison et pas que, parce que la vie reprend son cours. Hein. C'est pas parce qu'on fait une petite semaine au ski que quand tu reviens... Et il n'y a plus de travail, et non. Au contraire, tu dois rattraper tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire. Bref, voilà, écoutez, des semaines assez excitantes arrivent. Je suis bien contente qu'on arrive au printemps. Bien contente que les jours s'allongent enfin un petit peu. Ça va faire vraiment du bien au moral. Je vous laisse, j'ai encore plein de choses à faire. Je vous embrasse et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.